Ils savent reconnaître une fragrance parmi des milliers. Et les matières premières n'ont aucun secret pour leurs narines. On les appelle des nez. Créateur, artiste, Nicolas de Bary est l'un d'eux. L'un des derniers en France a créé des parfums naturels, dans le respect de la tradition des grands maîtres parfumeurs. Dans son atelier ou au cœur de la nature, il nous invite à partager les secrets de la création d'un parfum. Jasmin, bois d'aloès, santal, musc, ambre ou bergamote, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est sur les rives de la Loire, à Cannes-Saint-Martin, que Nicolas de Bary travaille au quotidien dans son atelier de création. J'ai choisi une matière première très, très ancienne, s'appelle le styrax. C'est une résine. Donc là, je marque styrax et je vais mettre un peu de styrax sur ma mouillette. Un petit côté animal, mais pas trop fort. Et donc ça va convenir. Donc je le mets dans mon porte-mouillette qui est là. Ici, hier, j'avais mis un peu de sauge, mais ça ne convient pas. Aujourd'hui, je veux essayer tout à fait autre chose. Je voudrais mettre du vétiver.